Oui, après l'histoire, j'ai appris son arbre. Oui. Et après, j'ai... Donc, les informations, c'est à partir des informations que vous travaillez ou les sources? Oui. Vous avez l'information aussi, elle? Chercher à la détruire, c'est ça? C'est ça. Ok. Et après, là, j'ai pris le couteau. Oui, j'ai lancé. Tu as lancé le couteau après le mort. Oui, le mort. Donc, au total, tu as tué combien de personnes? Il y a eu Wilfried, Agnès, Margot, Sylvia, Blanche et Betty. 5 personnes. 6 personnes. Oui. Et quand tu les tues, c'est avec la compagnie que. Souvent, je peux aller. Quand je vois, c'est facile. Je vois, c'est facile de tuer. Tu vois ce que tu veux. Non, quand tu tues, vous mangez avec la compagnie. Oui, on mange avec la compagnie. Oui, la compagnie. En Côte d'Ivoire. Ton esprit va. Comment vous trouvez le voyage? Le voyage, c'était comment? Est-ce qu'il y a le temps? C'est rapide? Non, c'est rapide. C'est rapide. En quelques minutes? Même moi. Hein? T'as juste à 10 secondes à peu près déjà arrivé. 10 secondes? Oui. Dès que tu es là, 10 secondes, part au village. Le temps n'existe pas, c'est vrai, dans le monde spirituel. Ok. À part ça, qu'est-ce que tu as détruit, gâté? La vie de ta maman, mais tu as fait quoi encore? J'ai fait quoi encore? J'ai mis mon père dans la sorcellerie. Tu as initié ton père? Oui. Comment tu as fait? On mangeait un ticket. À manger un ticket. Tu as donné la sorcellerie à ton père? Oui. C'est un enfant terrible. On appelle Tenny Banané. Enfant terrible. Oui, vas-y, tout après, ce que tu as fait. Ma mère Florence, oui. Elle, comme elle croit beaucoup en Dieu, oui. Elle la foi. Après, ils m'ont dit d'aller l'attaquer. Oui. J'ai voulu tenter, mais après, j'ai refusé. Oui, mais tu as déjà dit ça, c'est ça, non? C'est... Ah, c'est toi. Ok. Tu as fait quoi? Ils m'ont dit d'aller l'attaquer. D'aller l'attaquer, comment? Comme moi, j'étais nouveau, je ne connaissais pas. Comme eux, ils ont déjà essayé, ils n'ont pas réussi. Ils m'ont dit, moi, d'aller parce qu'ils étaient plus proches d'elle. Après, je suis allé, mais après, j'ai reculé aussi. Pas... Ils sentaient quoi, le feu? C'était comme une muraille, en fait. Il y avait des anges, des gens qui étaient là. Il y avait un bloc. Qu'est-ce que tu as fait encore? Vous voyez, là, où petit, on va te chercher. C'est des conneries. Retour au Burkina, dans la région des pays où il y a un monsieur, il est venu, il en pleure. Son corps est déchiré. C'est comme si quelqu'un l'a frappé. Il allait chercher petit pour faire produire sa plantation. Il l'a mis un peu dans la maison, un peu dans le champ. Un matin, il dort, on le frappe dans la nuit, dans la chape. Il se réveille. Quand il dort, ils disent qu'on a fait des enfants, il faut quitter la chair. Quand il est 6, les génies, les esprits, ils le frappent. Quand il dort au salon, il est à l'aise. Donc il a abandonné la chambre. Il a abandonné la chambre. Un an après, ils sont revenus dans la chambre, dans le salon. Où Dieu, on a grandi, ils sont nombreux maintenant, on a fait petits enfants. Il y a les petits enfants dedans. On le frappe. Quand il dort sur la terrasse, il est à l'aise. Quand il va au salon, il le frappe. Tu as cherché ta trouver. Vous voyez où le diable est bête. Donc je vois le diable, lui, il ne dit pas. Il va t'en pardonner un matin. Donc, c'est sur terrasse, il dort. Si terrasse là, un an encore, il y a un problème, on le frappe. On dit pour abandonner la maison. Dans sa propre maison. Il a commencé à pleurer, il me cherche. Il a commencé à prier pour lui. Le jour, il a dit, allons dormir ensemble, il dit, non, il ne va pas. Des conneries. Alors, c'est des conneries, il a envoyé la tête d'un bébé dans son chien. Oui, il y a des conneries. Il a dit, mais pourquoi ils n'ont pas bien blessé? Il fallait qu'il te blesse, te déchisse. Il fallait prendre la tête d'un bébé. Pourquoi? Comme tu dis, tu as cherché, tu as laissé, tu as cherché, dis ok. Sinon,
Je leur ai dit, mon gars, t'es blessé. Cassez tes côtes. Je suis allé chez lui. J'ai dit, bon, vous déménagez de la maison. Il y a un remorque dehors. Allez déménager. Prenez vos assiettes, les petits enfants. Allez déménager de la maison. Amen. J'ai versé mon huile. J'ai dormi. Je lui ai dit, viens. Si on t'a frappé la nuit, tape-moi. C'est comme ça. Il a peur. Il a fallu un comprimé de somnifère pour dormir. Il est à son dos. Il n'y a pas de problème. Le lendemain, ok, il a commencé à dormir. Jusqu'aujourd'hui, il a gagné sa maison. Amen. Cherchez petit. Il faut frapper un matin les petits. Les mots vont frapper un matin. Ils ne vont pas vouloir partir. Va dire, mais il est parti où? On est camarades depuis, on est camarades. Je suis chez toi, il fait des enfants. Il va te chercher les conneries, Boudou, Bénin. Il va te chercher les choses au Mali. Et nous, vous allez payer ça. Non à Dieu. Oh, les choses assez éphémères. Allons-y. Et après j'ai initié deux de mes amis. Oui, après avoir initié ton père. J'ai initié deux de mes amis. Vous voyez comment c'est dangereux? Parce qu'on a sans laisser d'initier les gens. Oui. Oui, voilà. C'est tout. Oui. Madame, il ne faut pas laisser sorcellerie là-bas. Hein? Non. Ok, il faut revenir à ça. Je oui, puis tu reviens à ça. Ah, je viens. Vous êtes trop fort dans ça. Tu vas les garder. On va plus voir ça en toi. Amen. Ok. Donc tu es dangereux. Monsieur, répondez à ma question. Ah oui. Vas-y, ils vont te donner le transport. Voilà, Bidjan. Laisse-le fumer. Va. Je dis, c'est moi. Nous, quand tu avais dit, voilà, Bidjan. Allez prendre ton passeport. Ouais. Faut bien filmer. Hein? Je vais vous poser une question. Oui. Ça veut dire qu'on compte comme ça. Qui va l'aider? Un amateur. Oui, allez-y. Je me fais casser 6 côtes là-bas. Oui, mais là, il dit à l'isque, c'est lui. Ah, oui, tu n'as pas entendu la dernière fois. Ok. Il a dit ça la dernière fois. Les côtes. Oui, oui, si, qui a fait ça? Non, si, j'attendais ça dans la vidéo la dernière fois, tu sais quoi? Ah, d'accord. Les vidéos, là, je regarde, quand on finit ça, je regarde. Je suis en train d'écrire un livre. Regarde, il y a les nouveaux, je note. Comment t'as cassé les côtes, la vieille? C'est un accident. Hein? C'était une chute. Non, chute là, c'est ce qui est là. C'est qui a été fait, physiquement. Mais qu'est-ce qui a fait? Elle a fait la chute. C'était comme s'il y avait de la glace. Elle voulait pas sortir, mais c'est comme s'il y avait de la glace. C'est comme ça? J'avais mis des guirlandes pour les fêtes pour lui. Ok. C'était pendant les fêtes de Noël. Chaque fois que je le fais pour les fêtes, je décore la maison. Ouais, décore la maison. J'avais mis des guirlandes et comme ça faisait longtemps, il n'arrêtait pas de me dire, maman, il faut enlever les guirlandes. Ouais. Maman enlève, alors que ses grands frères ont dit non, il ne fallait pas que je monte, qu'ils allaient le faire. Mais comme il insistait, un samedi, il dormait, j'ai dit, j'allais lui faire la surprise. Je me suis levé, j'ai pris un petit escabeau de 3 étages. Je suis monté. À peine je suis monté, je suis tombé. Là, je suis tombé, je me suis évanoui en même temps. Mais avant de m'évanouir, j'ai crié son nom, puisqu'il était endormi. C'est lui-même qui allait chercher les voisins, ils ont appelé les sapeurs-pompiers pour m'amener à Pompidou. Lui, c'est lui qui le savait. Monsieur, oui. Tu es à Paris, là, c'est un train qu'on t'a eu. Comment t'as fait? Effectivement, tu es réveillé, tu as vu la moment en tête. Oui, après j'ai appelé les voisins. Et puis tu as appelé les voisins. Oh, c'est toi qui étais à la base de tout ça. Hein? Monsieur, comment? Ben oui. C'est toi qui étais à la base de ça. Oui. Hein? Oui. Tu me répondu comme un courageux? Oui. Hein? Donc, tout ce qui est abeille, là, c'est pas tout ce qui est bon là-bas.
Donc les quatre, les côtes sont cassées. Six. Le médecin était surpris parce qu'il se demandait comment ça s'est passé. Parce que les côtes sont cassées et puis ça fait ça. Et ils ont dit la septième côte, je ne suis jamais les pieds cassés, touché mon poumon. Ça, c'était... C'est la septième côte qui m'a sauvé parce que ce n'était pas cassé. Mais les autres sont devenus comme ça. Ça s'est cassé et ça s'est déplacé comme ça. Pourquoi vous ne voulez pas que nous autres on combatte la société? C'est méchant. Souvent je regarde les vidéos, parce que souvent je les interroge, quand je regarde les vidéos, ça me fait tellement mal quand je roule les larmes. Parce que je vois la méchanceté extrême, une grande méchanceté. Et pour rien, il n'y a pas de raison, on peut te rendre handicapé. C'est ça, monsieur? C'est terrible, hein? Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Être délivré. Je suis. Oui, je suis. Tu veux laisser la sorcellerie? Ah, je veux laisser. Et si tu retournes? Alors, si je retourne, bah, je meurs. Tu meurs? Oui. Ça, c'est bien dit. Tu as vu, non? Tu as vu ce qui s'est passé? C'est ce qui allait te faire matin. Tu allais tomber ici, t'as bavé. On venait me dire que tu étais gnani, gnani, tu donnes les enfants. Gnani! Mais c'est gnani, hein, donne les enfants, gnani! Un enfant qu'on a, quand tu peux donner gnani, gnani? C'est gnani, 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 donne les enfants. On venait parler pour dire gnani, 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 tu es rendu aveugle ici. Tu as bavé comme chien. Chien enragé. Tu crois pas ça? Je t'en ai te provoquer. On a te fâcher pour dire non. Tu crois pas? Madame, vous ne croyez pas ça? Regardez-moi ici. Regardez-moi ici. Vous ne croyez pas ça? Tu crois pas? Tu crois pas qu'il peut faire ça? Madame, répondez-moi. Tu ne croyez pas? Monsieur. Non, prophète. Prophète. Oui. Je crois qu'on m'a. Je ne suis pas jamais venu ici. Ah donc, décès chez toi. J'ai dit, tu es sorcière. Tu as donné sorcellerie aux enfants. C'est une bonne chose. C'est pas une bonne chose, mais je ne suis pas sorcière. Ah, tu ne reconnais pas? Je ne suis pas sorcière. Vous ne reconnaissez pas ça? Je ne suis pas sorcière, mon frère. Vous ne reconnaissez pas ça? Je suis confirmée, je suis chrétien. Hé, arrête ça, arrête ça. Je suis confirmée. Moi, je connais un prédicateur, il est sorcier. Vous ne reconnaissez pas ça? Tu ne reconnais pas ça? Non, c'était toi et moi, tu ne connais pas ça? Non, 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 non. Non, c'est un discours en train de faire, tu ne connais pas ça? Non, je ne peux pas discuter avec vous. Oui, tu ne connais pas ça? Je viens sur toi tout de suite, attends. Je vais revenir. Oui, je viens sur toi tout de suite. Je ne suis pas sorcière, monsieur. Madame, je viens sur toi tout de suite. Tu n'es pas sorcière. Je suis chrétien, confirmé. Je suis pas sorcière, monsieur. Tu es quand quoi? Je suis chrétien, confirmé. Ça veut dire quoi? Je prends communion le sang de Jésus. Quand tu es vampire, alors, sang de Jésus, tu prends le sang de Jésus. Non, papa, sang de Jésus. Je prends communion. Madame, stop. Stop. Faut pas chercher malédiction. Sinon, matin, il te donner ça. C'est qui t'en est cherché là? Il te donner ça matin. Tu n'es pas quoi, tu n'es pas sorcier. Dieu m'a parlé de toi matin. Vous, Dieu qui te dit, tu es confirmé, tu es chargé, confirmé. Tu sais ce qu'il m'a dit sur toi? C'est vous-même qui a confirmé la main qu'elle sorcier. Faites semblant d'aller à l'église, je suis confirmé, je suis chargé, confirmé. Je viens sur toi, j'ai fini avec lui. Le Parisien sorcier. Je reviens sur toi. Ce qui est de montrer matin. Feu! Allez! Lâche-le au nom de Jésus. Vous libérez son âme et son corps dans le nom de Jésus.
qui libère sa vie et maintenant même, par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis ta présence. Je maudis ta présence. Je maudis ta présence au nom de Jésus. Quand je vais parler à ta femme, je pense un peu à toi. Monsieur, je pense un peu à toi. Si je lui donner une parole, tu chutes. Je pense un peu à toi. Je te respecte un peu. Je pense un peu à toi. Voyez, quand ça va arriver, c'est sur toi. C'est toi qui va être, c'est toi le problème. Ça a gagné. C'est ça, je réfléchis, je me ressaisis un peu. Sinon, sa bouche va la détruire. Je réfléchis un peu, je réfléchis. Parce que quand il va avoir problème, je vais même pas m'intervenir. Si j'ai commencé, je vais la laisser. Sans intervention. Mais je réfléchis un peu à toi. C'est ça notre cœur, on pense aux autres. Eux, ils ne pensent pas aux autres. Merci beaucoup. C'est quand j'avais voulu témoigner, ce n'était pas pour le défendre. J'avais voulu témoigner. Elle est trop dangereuse. Je suis venu ici, là. J'ai voulu témoigner. J'ai réfléchi un peu. Si elle me dit, non, il y a des choses, ils ne donnent pas parole. Si le défi est en train de lancer là, si c'est créé, même toi, tu vas pas me donner mes paroles, ça ne va pas, ça ne va jamais accepter. Je suis venu, il dit, Dieu m'a parlé de toi. C'est pas la faute. Il dit, tu es baptisé quoi? Tu es quoi, confirmé de quoi aller où? Confirmation de quoi? Feu! Allez! Le feu consume tes œuvres dans ce corps. Je maudis ta présence. Allez, lâche-le. Feu! 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous lâchez son corps. Vous lâchez son corps. Vous lâchez son corps. Vous lâchez sa vie. Dans le nom de Jésus. Libérez-le maintenant même. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Feu sur toi. Feu. Allez. Quitte ce corps. Lâche-le. Au nom de Jésus. Le feu sur toi. Feu. Couche-toi sur ton dos. Allez. Et quitte son corps. Allez. Lâche. Lâche. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Mets-toi en genoux. Démon. Mets-toi en genoux. Mets-toi en genoux. Bouge pas sur ton dos. Feu! Sur ton dos. Lâche. Rampe, allez, rampe. Le feu sur toi, tu m'attends. Stop! Quitte son corps. Manifeste-toi et quitte son corps. Manifeste-toi et pars. Au nom de Jésus. Va-t'en. 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 Quitte sa vie au nom de Jésus. Quitte sa vie et maintenant, dans le nom de Jésus. Quitte sa vie. Le feu sur toi. Tu m'entends? Le feu sur toi. Le feu sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Feu. 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 Dans tout ton corps. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Consume tes œuvres dans ce corps. Le feu détruit ton pouvoir. Lâche-le. 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 Couche-toi sur ton dos. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Tu m'entends? Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Pousse ton cri et va-t'en. Pousse ton cri et va-t'en. Va. Pousse ton cri et va. Je détruis ton pouvoir. Va-t'en. Va.
pousse ton dernier cri et va-t'en. Lâche-le maintenant, c'est un ordre. Tu le libères. Tu le libères maintenant même, dans le nom de Jésus. Lâche-le. Lâche-le. Pousse ton dernier cri de défaite. Est parti. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est un niveau. Viens, ici, ici, monsieur. Si, si. Le démon est parti. En quelques minutes. Ça va? Or, si bien il parle, il n'est pas débarrassé de ce démon, il est encore sorcier. Il dit aux gens, venez, venez apprendre ici, c'est une école. Si c'est une école, quand vous voyez sorcier parler, les gens parlent là, parlent, parlent. C'est pour ça que les sorciers vont pas parler dans vos villages, mais comme ils ne sont pas délivrés, ils replongent dans la sorcellerie. On attrape, il parle, mais il n'est pas délivré, débarrassé de l'esprit qui est en lui. C'est l'esprit là qui peut de lui sorcier. Or, s'il finit de parler, il faut qu'on chasse le démon de la sorcellerie. C'est ce qu'on veut de faire tout à l'heure, c'est fini. Il va voir ses parents, va commencer à les aimer. Il va plus avoir l'envie de tuer quelqu'un parce qu'il était habité par un autre esprit. Il le poussait à faire des choses. Le jour où il a contacté la sorcellerie, c'est un esprit qui est venu dans sa vie. Il fallait qu'on chasse ce démon. Ça va? Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu par là sortir vraiment difficilement, mais il est sorti. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vous avez béni là-bas? Ok, allez prendre une bouteille. Nous allons passer une étape importante. Il a fini de parler, non? Lui-même, il va prêter serment. J'explique, il ne juge pas, c'est pas pour jurer. Il prête serment devant Dieu et les hommes. Le jour où je retourne, tue-moi. Celui qui a dit non, il a servi cette parole. Le juge va rentrer là-bas. Le jugement va s'abattre sur lui. Parce que la Bible dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Parce que la parole est une semence. Voilà, c'est pour ça qu'on boucle la paix des sorcelleries. Là, lui-même, quand il finit là, ça tombe sur lui. Le juge va venir manger orteil. Petit orteil. Il va mourir. Il y a une dame dans un village, frère, quoi, dit, elle était là. Et puis elle se baladait la nuit, elle avait un kéké dans la main, puis les gens faisaient porc rôti au four. Le porc au four, l'odeur est rendue dans ses narines. Et puis ils l'ont appelé. On dit, mamie, comme tu as un kéké qui voit là, ça va être ça, on mange. Elle dit, bon, comme ça va être ça, on mange, donnez-moi. Elle fait la manger, oh. Quand elle a mangé, c'est fini. Parce qu'elle a dit qu'elle n'allait jamais plus retourner là-bas. Et quand elle est retournée, elle est morte. On l'avait attrapée. C'est sur mon YouTube. Elle était dans une bourrette enflée. Elle s'est enflée. Et puis elle est morte. Elle dit, demande pardon à Dieu, dis-moi. Et elle demandait pardon à qui? Dieu m'a donné un coup de poing, comment elle est devenue. Moi, il me met au milieu. T'as fait faire par là quelqu'un qui est fort. Il t'a donné un coup de poing, il dit, c'est papa ça. Tu as cherché, tu as trouvé. Elle est morte le lendemain, net, elle est rendue là. Ils sont allés l'enterrer. Tout gentiment. Aujourd'hui, là, on met dans la bouteille. Vous n'avez pas dû mettre les gens dans la bouteille. On met dans la bouteille ou jeter dans la mer. Toi, tu es allé à Beng. Au lieu de faire bonne chose, c'est sorcellerie, tu apprends. Et quand tu tues 6 personnes. Ça va, petit? Le micro. Oui, ça va. Lève ta main. Tu commences à parler. Si jamais le jour je retourne. Je prête serment. Si jamais je retourne dans la sorcellerie, que Dieu m'abatte.
ta parole. La Bible dit que c'est ta parole qui te condamnera et cette même parole te justifiera. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que cette parole s'attache à toi. Le jour où tu vas vouloir te lever, répartir dans la confrérie, dans la sorcellerie, que le châtiment de Dieu s'abatte sur toi jusqu'à ce que tu meurs. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. C'est fini, vous avez bouclé, j'ai bouclé ça. Il ne peut plus. S'il a essayé, ce n'est pas fait de tout. Lui, mais il va mourir. Fais-toi debout. Il n'est plus, il ne constitue plus un danger. Vous pouvez manger à lui. Amen. Amen. Vous pouvez dormir avec lui dans le même lit. Vous pouvez dormir avec lui, il n'y a pas de problème. Il n'est plus dangereux. Venez, venez. Venez toi, venez. Oui, venez. Il y a trop de bébés sorciers, bébés. Monsieur, on peut prier pour toi. On peut prier pour toi. Je vais poser la question, on peut prier pour toi. Tu es prêt pour qu'on te délivre? Je dis non. On va te délivrer. On n'a qu'à enlever ça en toi. Viens. Attends une minute, on va régler ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu as? On a qu'à lever quoi? Qui s'est filmé? Lui, c'est un amateur. Oui, propre. C'est qui fait la même femme, ne plaît pas. Non, ouais, petit, tu viens de finir ton truc. Oui. Qu'est-ce que tu as? Dré, drame. Parle français, ton français, on comprend. Qu'est-ce que tu as? On a eu un flash. On ne connaît pas le nom des sorciers en français. Il n'y a pas son nom. On a eu un flash. Ça, c'est quoi? Gramele. Hein? Sorcier, tu as ça. Tu as tué combien de personnes? On a ce son en grand. Non, dis ça en français. T'as tué combien? 843 personnes. Comment tu fais pour tuer les gens? Monsieur, comment toi tu fais pour tuer les gens? Tu as fusil. Et tu fais quoi ça? Comment tu fais pour tuer? Oui, la nuit. Oui. Tu tues. Fais comment, père? Comment tu tues? Montre-moi. La nuit. Tu tues qui? La personne. Ok. Tu as gâté qui et qui? T'as gâté tes propres enfants. Comment? Ta fille, là, t'as gâté. Ton mariage, ta fille, c'est ça? T'as gâté, tu ne veux pas avoir ton enfant, t'as gâté le mariage, tu ne veux pas avoir ton enfant. Qu'est-ce que tu fais? Fais ça. Pourquoi tu gâtes? C'est qui? Il est où le mauvais esprit? La chose que vous faites, vous parlez, mais ça, vous ne pouvez pas parler. Il faut parler, on va t'entendre. Il n'y a qu'à enlever. Comment? Feu! Allez! Feu! Au nom de Jésus, je détruis ton pouvoir, puissance de la sorcellerie. Je détruis ton pouvoir dans ce corps.
Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir au nom de Jésus. Je détruis ton pouvoir. Esprit de la sorcellerie. Je détruis ton pouvoir. Esprit de la sorcellerie. Tu quittes ce corps. Tu libères son âme. Tu libères toute sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Tu lâches sa vie et tu le libères par la puissance qui est dans le sang des agneaux. Je mets le feu de Dieu dans tout ce corps. Je proclame la puissance de Dieu. Je proclame la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu consume tes œuvres dans ce corps, dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu consume tes œuvres dans ce corps. Et tu lâches sa vie. Quitte son corps. Au nom de Jésus. Lâche-le. Tu le libères. Puissant de la sorcellerie. Tu lâches son âme. Au nom de Jésus. Lâche-le. Je détruis ta présence dans ce corps. Au nom puissant de Jésus. Je détruis ta présence dans ce corps, en le nom de Jésus. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Tu quittes son corps. Lâche-le. Quitte son corps. Tu le libères au nom de Jésus. Tu libères son âme. Au nom puissant de Jésus, tu quittes sa vie. Comment quelqu'un lui seul tue 843 personnes. Je suis de là. Quelque chose va se passer dans sa vie. Je vais revenir à lui tout à l'heure. Ça va? Le micro. Tu es. Comment t'appelles? Tu es sorcier? Qui t'a donné? C'est ma mère. Hein? Maman. Comment s'appelle ta maman? Elle s'appelle Cécile. Combien t'a donné la sorcellerie? C'est dans ma vie. Quand je suis partie au village, quand j'étais petite, elle a voulu manger, elle m'a donné. Pour lui, elle a transformé sa chair de l'homme. Transformé. La chair de l'homme, elle m'a donné. Et l'enfant est mort quand? Le 2015 là? Oui. Et puis l'enfant devait. Quand l'enfant devait, il a appelé son père trois fois. Puis maintenant l'enfant est venu, quand il a passé l'enfant de son sang, j'ai dit. Il a transporté un bouton et puis je l'ai volé. Et quels sont les gens que tu as détruits? J'ai détruit sa famille. Elle est sa famille? Et elle-même, bienvenue. Qu'est-ce que tu as détruit dans ta vie? J'ai une maladie dans son corps. Maladie? Ça veut dire quoi? Elle est ulcérée. Elle a introduit quelque chose dans ton ventre? C'est ça? Ulcérée. Comment tu as fait? En fait, quand je suis catéchisée, quand on voit des catéchisées, l'eau. Maintenant, quand je vais. Tout le jour, elle m'a dit, c'est dans sa vie que j'ai en profité à mon temps pour mettre une cela dans son corps. Comment tu as fait pour mettre une cela? Tu t'es arrangé comment? C'est quand je l'ai apporté, ça m'a dit comment. Puis j'ai mis chaud dedans pour mettre une cela dans son corps. Dès que je prie, je sens une corde dans ton cou. Dès que je prie,
frappe-moi le micro, s'il te plaît. La puissance de Jésus. Je libère ton âme. Oui, je libère ton âme. Relâchez-la. Maintenant. Oui. Relâchez-la. Relâchez-la. Relâchez son âme. Relâchez son âme. Je te délivre maintenant. Relâchez-la. Maintenant, mère. Je te libère au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus. Relâchez-la. Allez-y. Lâchez-la. Lâchez-la. Lâche-la. Relâche-la au nom de Jésus. Je maudis ta présence et lâche-la. Relâche-la maintenant même. Dans le nom de Jésus. Relâche-la au nom de Jésus. Relâche cette vie. Au nom de Jésus. Je détruis le pouvoir de la sorcellerie sur cette vie. Lâche-la. Lâche-la. Vous allez libérer sa vie. Maintenant même. Vous allez me libérer cette vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâchez-la. Lâchez-la. Oui, lâchez-la. Je puisse pouvoir. La puissance de Jésus te délivre. Et maintenant là. La puissance de mon Dieu te libère. Va. Reçois ta délivrance aujourd'hui. Reçois ta délivrance maintenant même. La puissance de Jésus te délivre. Oui, la puissance de Dieu te libère. Oui, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus. Je sens que l'esprit de mort en train de quitter ton corps quitte sa vie. Tu m'entends? Quitte sa vie. Quitte! Quitte sa vie. Ton nom, esprit de mort, lâche-la. 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 Lâche-la au nom de Jésus. Tu quittes sa vie. Lâche-la. Ton nom, esprit de mort, tu pars. Et tu la libères maintenant. C'est un ordre. Lâche-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. Au nom de Jésus. Esprit de mort. Esprit de mort. Lâche-la. Au nom de Jésus. Va-t'en. Quitte sa vie. Oui, quitte sa vie. Tu vas libérer sa vie au nom de Jésus. Relâche-la maintenant. Relâche-la maintenant. Va-t'en. 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 Je sens l'esprit de ta patrie ici. Va-t'en. Va-t'en. Oui, va-t'en. Va-t'en. Va. Quitte ce corps au nom de Jésus. Va-t'en. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Tu libères ce corps. Tu es là. Lâche-la. Va-t'en. 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 Va. Feu. Feu. Au nom de Jésus. Feu. Lâche-la au nom de Jésus. La puissance de Dieu te libère maintenant. Mon Jésus te délivre. Mon Jésus te délivre. Et détruit ton pouvoir. Je te déclare délivré. Oui, je te déclare délivré par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Je proclame la délivrance. Amen. Je te délivre, va t'asseoir. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu as donné la maladie à ta tante? C'est important ce médicament. En fait, quoi? Important ce médicament. Ce médicament, tu as fait comment? Tu as fait comment pour introduire la maladie? C'est quand elle s'est malade. Quand elle s'est malade.
Qu'est-ce que tu as gâté dans sa vie à part maladie? Jésus te bénit. Mon Dieu te libère. Je te dis cette prison. Oui, au nom de Jésus. Je suis incapable. Pas je suis incapable ici. Lâche-moi. 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 Feu. Vous libérez ce corps au nom de Jésus de Nazareth. Vous lâchez ce corps par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Oui, libère. Lâchez-la. Feu. Maintenant même, dans le nom de Jésus, tu relâches ce corps. Sors. Sors. Quitte son ventre. Au nom de Jésus. Libère-la. Tu m'attends, c'est un ordre. C'est un ordre. Quitte son ventre. Lâche-la maintenant. Au nom de Jésus. Tu la libères maintenant même. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus, je maudis ta présence dans ce corps. Je maudis ta présence dans ce corps. Je proclame ta délivrance et maintenant. Je proclame ta délivrance et maintenant. Bam. L'Esprit de Dieu te libère. Le Saint-Esprit te délivre maintenant. Sa puissance te libère. Sa puissance te délivre. Sa puissance te libère. Sa puissance te délivre. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu te délivre maintenant. Sa puissance te libère. La puissance de Dieu. Oui. Quittez ce corps. Lâchez-la. Lâchez-la. Oui, lâchez-la. Oui, feu. Feu. Lâchez-la. Relâchez-la. Allez. 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 La puissance de Jésus. La puissance. Oui, relâchez-la. Relâchez ce corps maintenant même. C'est un ordre. Et relâchez-la au nom de Jésus. Oui. Vous allez la libérer au nom de Jésus. Libérez-la. Tu avais programmé la mort sur elle, c'est ça, la dernière fois. C'est ça? Hein? Tu as programmé la mort. J'annule au nom de Jésus-Christ cette programmation. Parce que je sens encore l'esprit de mort. Pas tarder! Sors! Quitte ce corps au nom de Jésus. Quitte ce corps. Et relâche-la au nom de Jésus. Libère-la maintenant, même. Libère-la maintenant. Tu libères ce corps et tu libères sa vie maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la. Oui, quitte ce corps. Va-t'en. Va-t'en. Relâche ce corps au nom de Jésus, c'est un homme. Tu libères maintenant son corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien. Le lundi à 11h, j'ai un accident, c'est fatal. Viens que je fasse ça. Le lundi, c'est déjà réglé le lundi à 11h. Ta mort est programmée le lundi à 11h. Allez! Comment?
Je décris au pouvoir la puissance de Jésus-Christ pour relâcher son âme. Je libère ton âme maintenant. Pendant que je prie, je délie ton âme. Je délie ton âme. Je délie ton âme. Je libère ton âme. Je libère ton âme. Lâchez-la. 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 Je détruis cette programmation au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Je te libère. Merci mon Dieu. Par la puissance qui est dans le sang de Merci, Jésus. Merci mon Dieu. Je te libère. Merci mon Dieu. Merci je te libère. Mon Dieu. Maintenant même. Merci mon au Dieu. Nom de Jésus, de Merci mon Dieu. La puissance de Jésus. Merci mon libère. Dieu. La puissance de Jésus. Merci mon je Dieu. Maintenant même. La puissance Merci de Jésus. Mon Dieu. Je vous lâchez sa vie. Merci mon Dieu. Vous lâchez sa vie au nom de Jésus. Merci mon Dieu. La puissance de Dieu. Merci mon Dieu. Elle te libère la puissance. Merci mon Dieu. Oui, elle te libère. Merci mon Dieu. Relâchez son âme. Merci mon Dieu. Relâchez son âme. Merci mon Dieu. Relâchez son âme. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Oh mon Dieu. Mon Dieu, il est vivant. Mon Dieu, il est vivant. Ils ont déjà mis son âme à l'enterrement de sa sœur. Son âme était déjà introduite à la tombe. Merci. Je peux sortir ton âme au nom de Jésus. Merci. Je te libère dans le nom de Jésus. Merci. La puissance de Merci. Jésus te délivre maintenant. Merci Dieu. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Oui. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu unique. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. La puissance de Jésus. Merci mon roi. Jésus te Merci délivre. Papa de Dieu. Merci, papa de Dieu. Je t'ai confié mon Jésus. Âme. Je t'ai confié mon âme. Je t'ai confié mon âme. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu.